Amen. Alléluia. Ce matin, je vais te parler d'une technique qui arrache la bénédiction à l'éternel. Amen. C'est vrai que tu pries, tu fais tout. Mais il y a quelque chose que tu ne fais pas qui te manque. Amen. Si ta prière encore bloquée quelque part, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu attend de toi pour débloquer cette prière. Amen. Si ta prière n'a pas encore eu d'exaucement, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui reste encore. Amen. Ce matin, je vais te parler de la semence qui provoque la bénédiction. C'est vrai, il y a offrande et puis il y a offrande. Alléluia. Il y a offrande et puis il y a... Les gens n'aiment pas le côté où on prêche, où il y a la semence, où il y a les offrandes. C'est pas bon. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur de donner, car celui qui veut obtenir, qu'est-ce qu'il fait? Il donne d'abord. Il faut que tu vides ta main. Si ta main est fermée, on ne pourra pas mettre quelque chose dans cette main qui est fermée. Il faut que ta main soit ouverte pour que tu arrives à attraper ce qu'on te donne. Ou bien? Amen. Donc ce matin, je vais te parler de la semence qui provoque la bénédiction. Il y a une manière de semer pour provoquer la grâce de l'éternel dans sa vie. Alléluia. Amen. Vous semez. La semence peut pousser, mais arriver quelque part, elle va flétrir et elle va tomber. Elle va jaunir et elle va tomber. Elle ne pourra pas donner. Alléluia. Amen. Mais il y a des semences, lorsque tu fais, Dieu regarde, son cœur est réjoui. La Bible dit que le roi se réjouit des présents. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on s'entend même? Amen. Quelqu'un est là ce matin? Amen. Entends la présence de Dieu ce matin. Que toi-même, éternel mon Dieu Père, ô roi des rois, tu prennes le contrôle de toutes choses, Seigneur. Nous voulons te céder la place, Seigneur. Efface ma personne ce matin et parle à ton peuple, Seigneur. Oui, convainc les cœurs parce que c'est toi qui ramènes les cœurs. Nous te prions ce matin. Gloire tu sois rendue au siècle des siècles, au nom de Jésus. J'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà donc, je te parlais de la semence qui provoque la bénédiction. Qu'est-ce qu'on appelle une semence? Amen. Qu'est-ce qu'on appelle une semence? Jésus-même a été une semence pour nous. Amen. Il s'est donné en rançon pour que chacun de nous soit libéré. Il a accepté de rentrer dans le tombeau pour que chacun de nous soit libéré. Or, tant que la graine n'est pas entrée, enfouie dans le sol, et qu'elle n'est pas pourrie, elle ne peut pas germer. Il a fallu que Jésus entre dans le tombeau 2 jours. Le 3e jour, il ressort du tombeau. Alléluia. Il a accepté d'entrer dans le tombeau, mais n'a pas accepté de rester dans le tombeau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il y a des graines qu'on sème et qui pourrissent, qui ne germent pas. Par contre, il y a d'autres qu'on sème, qui pourrissent et qui germent, qui portent des fruits au centuple. Alléluia. Amen. Je veux que tu sois ce matin cette graine. Amen. Je veux que tu sois cette graine. Amen. Qui produit au centuple. Alléluia. Mon thème de ce matin, c'est la semence qui produit la bénédiction. Amen. Amen. Il y a une manière de semer pour produire la bénédiction. Regarde, pendant les offrandes, une femme veuve, pendant que les gens sont venus, les riches hommes sont venus déposer leur argent dans la corbeille, cette femme, elle est venue. La Bible, qu'elle est veuve en plus. Elle n'avait point de mari. Amen. Alléluia. Elle est venue dans la corbeille. Les gens ont commencé à rire, se moquer d'elle. Jésus les a regardés. Il dit, cette femme, quand je regarde sa classe sociale, quand je regarde son rang social, quand je regarde ses affaires, et quand je regarde aujourd'hui l'état dans lequel elle se trouve, étant veuve, je sais qu'elle a plus donné que vous. Quelque part, ta semence est bloquée. Pourquoi? Elle est bloquée dans le sol parce que la manière dont tu sèmes ne convainc pas ton Dieu. Dis à quelqu'un, mets-toi à ta place. Dis-lui, mets-toi dans ton rang. Mets-toi dans ton rang social. Toi, tout le monde est convaincu que tu as l'argent. Toi-même, tu sais que tu as l'argent. Maintenant, quand tu apportes une offrande, c'est une offrande qui est similaire à celle de la veuve. Tu veux que Dieu te bénisse comment? C'est ce que cette femme avait que Dieu lui a donné. Est-ce qu'on s'entend même? Ce qu'elle avait, c'est ce qu'elle a donné. Elle a déposé dans la corbeille. Mais toi, tu en as. Et tu, avant de venir faire ton offrande, tu as déjà partagé l'argent dans les poches. Tu sais que la poche gauche, il y a une pièce de 100 francs qui est dedans. C'est ça que tu vas mettre dans la corbeille. La pièce droite, là, c'est les 500 que tu as réservé pour aller manger garba après le culte.
Tu as déjà fait ton calcul en venant à l'église. Mais le plus grand mathématicien, c'est Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Un jour, un oncle est parti à une veillée. Alléluia. Il avait déjà fait son calcul dans ma poche. Il avait mis un billet de 5000 francs quelque part. Et il a mis un billet de 500 francs quelque part. Mais les 200 billets. Amen. Il les a partagés dans les poches. Les 200 billets. Alléluia. Je veux qu'à la fin de mon message, que tu fasses une semence qui va toucher le cœur du roi Jésus. Est-ce qu'on s'entend? Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit encore amen. Amen. Alléluia. Donc, l'oncle, il s'en va à la veillée. Il a déjà fait son calcul dans la poche. Alléluia. Amen. Il s'en va, il a mis un billet de 500 francs ici. Un autre billet de 5000 francs ici. Ce billet de 5000 francs, c'est ça qu'il a réservé pour la semaine. Amen. Amen. Il s'en va à la veillée, la louange, c'est chaud. On dit offrande. Les filles ont commencé à chanter. Tellement que la louange l'a touché. Que lui-même, en dansant, il est venu. Il est venu en dansant. Il a oublié là où il avait mis le billet de 5000 francs. C'est ce qu'il a enlevé, il avait. Il dansait, il est venu déposer. Il est venu déposer dans la corbeille. Amen. Amen. Il a dansé jusqu'à il s'est retourné à sa place. Maintenant la veillée est finie. On dit bon, retournez à la maison. La veillée est finie, normalement chacun doit retourner. Alléluia. Amen. Il s'en va maintenant tout joyeux. Il a loué l'Éternel. Il a fait l'offrande à l'Éternel. Selon lui. Alléluia. Amen. Il fouille maintenant dans ses poches. Et il regarde, c'est le billet de 5000 francs qu'il a déposé dans la corbeille. Imaginez un peu. Est-ce que là, la prière peut partir à la maison avec lui? Non. La prière ne peut plus aller à la maison avec lui. Puisque lui, il avait déjà son calcul en venant. La semence qu'il voulait faire à l'Éternel, ce n'a pas été cette semence, mais c'est au contraire celle qu'il n'avait pas voulu. Tu veux que Dieu te donne comment? Si tu ne donnes pas selon ton cœur, si tu n'as pas encore donné selon ton cœur, Dieu ne peut pas te donner. Amen. Amen. Ce matin, on va prendre Malachie, le chapitre 1, verset 14. Il y a celui qu'on appelait Corneille. Lui, il était spécialisé dans les offrandes, les aumônes. Tabitha, Tabitha, Dorcas, elle, c'était les offrandes, les aumônes. Il faut que tu sois à la place de ceux. Dieu a envoyé un ange pour dire à Corneille, ta prière a été exaucée. À cause des offrandes de Tabitha, Dieu s'est souvenu d'elle. Pendant qu'elle était dans le séjour des morts, elle était prête. On devait aller l'enterrer. Les gens disent non, celle-là, elle rend trop de service aux hommes de Dieu. Celle-là, elle contribue toujours dans la maison de Dieu. Quand il y a une offrande, quand il y a un soutien apporté à la maison de Dieu, celle-là, elle est là. Celle-là, on ne peut pas l'enterrer tant que les hommes de Dieu ne sont pas venus prier pour elle. Ils ont attendu. Ils sont venus. Et Élie a prié pour elle. Pierre, du moins, Pierre a prié pour elle. Et la femme s'est réveillée. Il faut que toi aussi, cette prière de Pierre fasse ressusciter en toi ce que le diable a détruit en toi. Mais bien sûr, par ton offrande. Alléluia. Malachie chapitre 1, verset 14. Malachie 1, verset 14. Oui. Maudit soit le trompeur. Maudit soit le trompeur. Qui a dans son troupeau un mal. Qui a dans son troupeau un mal. Et qui voue et sacrifie au Seigneur. Et qui voue et sacrifie au Seigneur. Une bête chétive. Une bête chétive. Car je suis un grand roi. Car je suis un grand roi. Un grand roi. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et mon nom est redoutable et parmi les nations. Et mon nom est redoutable parmi les nations. Les nations. Alléluia. Je reprends le verset. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mal et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand j'ai pris l'histoire de l'oncle qui allait faire les offrandes. Il a 5000 francs. Il a déjà fait son calcul. Il avait mis 500 francs à part qu'il devait donner à Dieu. Mais il a 5000 francs. Le secret, le premier secret de recevoir, tu sais c'est quoi? C'est de donner d'abord ce qui t'est cher. Ce qui te coûte cher, il faut donner. Ce qui te reste pour survivre, c'est-à-dire si tu donnes, tu n'as plus rien à vivre. Rien à manger. Il faut donner ce que tu as. Amen. Amen. Cette femme que Dieu a conduit, du moins c'est Élie a conduit, cette femme, lui chez qui Élie, Dieu a conduit Élie, cette femme de Sarepta, ne lui restait qu'un poignet de farine. Il y avait la famine dans le pays. Et si elle mangeait ce jour-là, c'était fini. Elle n'avait plus rien à attendre que la mort.
Et lui a dit, prépare ce que tu as, ce qui te reste là. Il faut préparer, tu vas me donner. Elle dit, ah maître, mais c'est ce qui me reste pour manger avec mon fils. Et après ça, on attend la mort, il n'y a plus de nourriture. Elle lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne-moi, je vais manger. Elle a donné, Élie a mangé, ils ont tous mangé. La Bible dit que, à cause de l'acte de bonne foi que cette femme venait de poser, Dieu a béni la maison de l'Éternel. La nourriture n'a plus jamais manqué dans cette maison. Amen. Il faut que ton grenier soit chaque jour rempli. Il faut que ta maison soit dans l'abondance. Que la sécheresse aille loin de ta maison. Ce matin, tu vas faire une offrande à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Imagine un peu, le sous-préfet vient ici. Il vient vous rendre visite et vous regardez parmi les troupeaux, le troupeau, et un animal qui est chétif, bizarre, malade, maigre. Vous prenez, ah, comme le préfet. Or, vous lui avez soumis un tas de dossiers. Vous lui avez soumis des doléances, des requêtes. Ah, monsieur le préfet, voici le peu de cadeaux que la population a eu à t'offrir. Un animal chétif. Peut-être que son pied est bizarre, il marche bizarre. Alléluia. Il est maigre, vilain. Vous donnez ça au sous-préfet, au préfet du moins. Il va prendre? Est-ce qu'il va prendre? Il ne va pas prendre. Il va vous regarder, il va vous dire non, c'est bon. Ou s'il a pris, c'est pour vous faire plaisir. Sinon, ça ne vient pas de son cœur. Mais c'est comme ça, comment vous traitez Dieu. C'est comme ça, vous traitez Dieu. Alléluia. C'est comme ça, vous traitez Dieu. La Bible dit que nos offrandes parlent en notre faveur. Nos offrandes témoignent pour nous. Alléluia. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais il y a un témoignage que tu vas recueillir en retour. Alléluia. Vous semez, il y a des semences qui attirent la bénédiction. Alléluia. Je t'ai parlé d'une autre semence. Amen. Prends un roi. Chapitre 3. Pour escroquer. Alléluia. Dieu a tous les moyens, tous les plans pour nourrir son homme. Il a dit à Élie, il dit, va. Va à côté du torrent. Reste là-bas. Pendant qu'il faisait chaud, c'était la sécheresse. Il dit, reste là-bas. Je vais envoyer des corbeaux. Ne te nourris de pain et de viande. Élie est allé là-bas, il est resté là-bas. Et tout ce temps, les corbeaux l'ont nourri. Il n'a pas eu besoin d'un homme pour être nourri. 1 Roi 3, verset 3. Salomon aimait l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur le haut lieu. Qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi s'est rendu à Gabaon pour les sacrifier. Salomon se rendit ce jour-là à Gabaon pour y sacrifier. Car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes. Ce jour-là, Salomon va offrir 1000 holocaustes. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Donc l'Éternel va apparaître Salomon dans un songe. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Demande-moi ce que tu veux que moi je te donne. Salomon va répondre. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. Oui. Parce qu'il marchait en ta présence. Parce qu'il était droit dans ta maison. Dans la fidélité. Oui. Dans la justice. Oui. Et dans la droiture de cœur envers toi. Dans l'intégrité. Tu lui as conservé cette grande bienveillance. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Comme on le voit aujourd'hui. Comme on le constate aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu. Tu as fait régner ton serviteur à la place de David. Et ton serviteur, le roi Salomon, à la place de ton serviteur David, mon père. Oui. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Regarde ce peuple qui aime beaucoup. Ton serviteur est au milieu du peuple.
que tu as choisi, oui. Peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombreux, qui ne peut à cause de sa multitude. À cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur, un cœur intelligent, pour juger ton peuple, discerner le bien du mal. Donne-moi le discernement. Car qui pourrait juger ton peuple? Qui peut juger ce peuple si nombreux? Verset 10. Cette demande de Salomon plus. Donc la Bible dit que cette demande de Salomon plus à l'Éternel. Et Dieu lui dit. Puisque c'est là ce que tu dis. Puisque toi tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie. Ni la richesse. Ni la mort de tes ennemis. Et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. La sagesse, justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage. Et intelligent. De telle sorte qu'il n'y ait qu'il n'y aura sur cette terre personne avant toi. Et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Verset 13. Je te donnerai en outre. Ce que tu n'as pas demandé. Non, réponds avec moi. Ce que tu n'as pas demandé. De la richesse et de la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie, aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la puissance de Dieu? Alléluia. Vous savez ce qui a provoqué la bénédiction de Salomon? La Bible dit qu'il était celui, l'héritier de David, son père. David était roi. Après la mort de David, Salomon a pris le trône. Alléluia. Et donc, Salomon fut le seul qui allait sur le principal lieu pour sacrifier. Alléluia. Et ce jour-là, il est allé sacrifier. Il a fait un don de 1000 holocaustes. Si tout ce que tu regardes dans ton pâturage où tu vois tes bœufs, pour faire un présent même d'un bœuf, ce serait un problème chez toi. Salomon, il a compté 1000. 1, 2, 3, jusqu'à 1000, il a donné à Dieu. La Bible dit que dans un songe, Dieu va lui apparaître et va lui demander, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? À cause de l'offrande que tu viens de me faire, à cause de ce don que tu viens de me faire, Salomon, je t'assure que mon cœur est réjoui. Ce que tu viens de faire a provoqué quelque chose en moi. Je suis prêt à te donner tout ce que tu vas me demander. Demande-moi, je suis prêt, Salomon. Je suis prêt à te donner. Salomon l'a regardé, et regarde dans le palais, il y a l'or, il y a l'argent, il y a tout. Il dit, bon, je ne demande plus tout ça, donne-moi la sagesse. Comme tu m'as mis devant un peuple nombreux, je suis prêt à conduire ce peuple, mais avec sagesse. Parce que sans la sagesse et l'intelligence, je ne peux rien faire. Accorde-moi la sagesse et l'intelligence pour que je puisse conduire ton peuple. Dieu l'a regardé, dit, c'est tout ce que tu veux. Petit, tu crois que ce qui est déjà dans ta maison, ça ne peut pas finir? Ça peut finir un jour, hein? Demande-moi, je vais te donner. Alléluia. Dieu l'a regardé et dit, oui, ce que tu dis aussi, c'est vrai. Il y a la sagesse pour conduire le peuple. Parce que tu es petit. Tu es très jeune. Il y a la sagesse. Tu as avec toi des veillards qui sont très sages, intelligents, qui peuvent te bloquer dans certaines situations. Mais à cause de la prière que tu viens de me donner, non seulement je te donne la sagesse, mais en plus, ce que tu n'as pas demandé, je te le donne. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à être à la place de Salomon? Qui est prêt à être à la place de Salomon? Il n'y a pas trop de personnes qui répondent ce matin. Est-ce que tu es prêt à être à la place de Salomon? Alléluia. Ce matin, tu vas réjouir le cœur de ton Dieu aussi. Amen. Tu vas réjouir le cœur de ton Dieu ce matin. Salomon a fait un don de 1000 holocaustes. Regarde, ce qui a coûté cher à Abraham, c'est cela que Dieu lui a demandé. Dieu dit, donne-moi ton fils Isaac. Le seul que tu as eu dans ta vieillesse, donne-le-moi. Et toi, je vais voir si toi, tu peux tenir l'alliance avec moi. Il y a des situations où Dieu demande ta part. Alléluia. C'est ça l'alliance. C'est comme un contrat entre deux personnes. Alléluia. Un contrat, un compromis entre deux personnes. Il y a les clauses du contrat qu'il faut respecter. Je fais ma part, toi aussi tu fais la tienne. C'est comme ça. Dieu l'a regardé, Abraham il dit, je t'avais dit que ta femme Sarah allait avoir un enfant. J'ai respecté ma parole, ce que tu dois faire. J'ai besoin de quelque chose qui te coûte cher. Et ce qui te coûte cher, c'est ton fils Isaac que je veux. Donne-le-moi. Abraham a regardé et dit que ta volonté soit faite. Il a pris son fils, il allait le sacrifier à l'Éternel. Pendant qu'il tenait le couteau, Dieu lui a dit, non, je sais vraiment que toi là, tu es prêt pour moi. Dis à quelqu'un, tu es prêt pour moi. Dis-lui, tu es prêt pour moi.
Abraham, à cause de l'acte que tu viens de poser, moi Dieu, je jure à moi-même que par tous les moyens je te bénirai. Et des rois sortiront de toi, tous les peuples du monde seront bénis par toi. Est-ce qu'on s'entend? Alléluia. Amen. Il te faut une offrande qui va provoquer la bénédiction. Il te faut cette offrande que tu n'as pas encore faite. Amen. Il te faut cette offrande que tu n'as pas encore faite. C'est vrai, tu as fait des offrandes. Tout à l'heure, tu as fait une offrande. C'est vrai. Mais ce qui va toucher le cœur de ton Dieu, tu ne l'as pas encore fait. C'est pourquoi je te dis, regarde, mets-toi dans ton rang social. Mets-toi dans ton rang social. Tout le monde sait que tu as l'argent. Toi-même, tu sais que tu as l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire ça. Tu sais que tu as l'argent et tu viens déposer dans la corbeille une pièce qui ne vaut pas la valeur du roi que nous adorons. Mais tu veux que Dieu te bénisse comment? On ne moissonne que ce qu'on a semé. Le champ est vaste. On dit 1 hectare. Toi, tu viens, tu sèmes sur quelques mètres carrés et c'est fini. Tu as fini ta part. Mais tu veux recevoir tout, tu veux récolter dans tout le champ comment? C'est là où tu as semé, tu vas récolter. C'est selon ta semence que tu récoltes, tu moissonnes. Alléluia. Ce matin, je veux que tu fasses une semence ce matin. Qui est prêt ce matin? Je ne vois pas les mains en l'air. Je ne vois pas les mains en l'air. Alléluia. Qui est prêt à faire une semence ce matin? Une semence qui va réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Il faut que tu fasses ta semence. Il faut que tu soutiennes la maison de Dieu. Il faut que tu fasses une semence qui va toucher le cœur du roi. Amen. On dit que les hommes de Dieu font ça pour soutirer l'argent aux gens, pour escroquer les gens. Mais c'est dans quel domaine de la vie on ne parle pas de l'argent? Je ne parle pas de l'évangile parce que Dieu a les moyens pour nourrir son serviteur. Alléluia. La Bible dit que l'argent répond à tout. Prenez Ecclésias chapitre 10, le verset 19. Ecclésias chapitre 10, le verset 19. Ecclésias 10, verset 19. Oui. On fait des repas pour se divertir. On peut manger comme on veut. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Et l'argent répond à tout. Et l'argent répond à tout. Où on est là? Le mois est fini. Le propriétaire de la maison va venir. Il ne va pas s'arrêter là pour regarder vos prières. Vous-même, vos prières vont le déranger. Il va dire, moi là, je suis venu chercher mon argent. Je ne suis pas dans vos histoires de feu. C'est moi le prophète Crasso. C'est moi, tu sais, c'est moi. Et tu, il va te présenter. Non. Je veux mon argent. Le mois est fini. Alléluia. Le prophète arrive à la station. Le gérant de la station ne va pas lui dire, tu es le prophète Crasso, hein, rempli ton réservoir et puis il faut partir. C'est toi, moi, qui attrape les sorciers. Hein. Non. Son ministère se limite là. C'est fini. Il se déplace, c'est vrai, il a son titre, mais arrivé à la station, son titre disparaît. Le ministère disparaît. Le monsieur va tendre la main. Tu veux? Ok. On met l'essence. Ça va compter. Tu vas payer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, chacun de nous va semer dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les seuls démons qu'on ne peut pas chasser dans la vie d'un homme, vous savez, c'est quoi? C'est les loyers, les factures. Ces démons, on ne peut pas les chasser. Hein? On peut tout chasser, mais les démons de loyer, démons de facture, taxes, impôts, on ne peut pas chasser ça. Ceux-mêmes qui viennent encaisser, eux-mêmes, là, ils prient. Donc, avant qu'ils ne viennent devant toi, ils ont déjà prié, ils ont déjà tout verrouillé sur toi. Ils tendent la main, ils attendent l'argent, c'est tout. Amen. Nous allons dire merci à ce grand Dieu qui nous a exaucés, qui a conduit tout ce culte, qui s'est puissamment manifesté et à la délivrance, et à la louange, et à la prédication. Prions ensemble et bénissons le nom du Seigneur. Merci encore pour toutes les actions sanctuaires. Merci de nous voir. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci pour cet enseignement, Papa Dieu, parce que nous tenons de dire merci. Merci. Tout de même, nous allons prier et lui recommander toute cette semaine. Nous allons lui dire qu'elle soit pour nous une semaine de bonnes nouvelles, une semaine, lui, d'ouverture des portes, des finances, tout ce que l'ennemi avait détruit dans notre vie, que tout cela revienne. Que tout ce que l'ennemi a programmé contre nous soit voué à l'échec au nom.
annulons tout le plan des sorciers, refusons que la volonté des sorciers s'accomplisse dans notre vie et recommandons toute la semaine à l'Éternel. Qu'elle soit une semaine de victoire, une semaine essentiellement de bonnes nouvelles. Que les malheurs, les mauvaises nouvelles aillent loin de nous et que nous soyons dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Que la liberté, le bonheur, la grâce nous accompagnent en tout lieu. Alléluia. Amen. Nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Car depuis ce matin jusqu'à maintenant, tu es resté avec nous. Tu t'es manifesté et à la louange, à la délivrance, à la prédication, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Nous saluons quelqu'un pendant ce moment et dis-lui, Dieu te bénisse.